Ouais, comme tout le monde, c'est ExecTorch pour nouveau live. Donc j'ai eu mon nouveau casque, comme vous voyez. On va faire une petite ouverture de pack avant le début de la game. Voilà, j'avais dit que je referais des lives comme je faisais sur Black Ops 2 et sur les anciens Call of. Du coup, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère que le micro est bien réglé, etc. On va essayer de faire une bonne game. Peut-être être dans les paramètres audio quand même pour baisser un petit peu le son du jeu, etc. Donc j'ai un nouveau micro, mais j'ai l'impression qu'on m'entend un peu de loin parce que le micro est pas, enfin il est pas physique en fait. Le micro il est intégré dans l'oreillette du casque. Du coup, je sais pas si on m'entend bien, mais on verra bien. On verra bien. En tout cas, j'espère qu'on m'entend bien. Bon, il y a déjà plus de grésillement, c'est déjà ça. Donc voilà. Voilà. Juste le problème c'est que le micro est pas physique, donc j'aurais peut-être dû prendre un Turtle Beach PX24, mais vu que le mec m'avait conseillé ça. Master Volume. Ok. Mettez-moi fort la musique. Voilà. Allez, parti. Du coup. Hop, j'ai pris la Cuda. Il y a un défi à faire à l'arme. On va essayer de faire de bonnes choses. La game d'avant, j'ai fait 40 kills et j'étais le premier. Et on était en train de perdre de 20 ou 30 points et on a remonté à. On a gagné 198, c'était super sympa. Donc j'ai hésité à vous proposer ce gameplay. Bon, c'est pas vraiment un gameplay de ouf, j'ai fait du 48-13, mais bon. C'était bien, j'ai fait un mini-rush et voilà, j'ai eu Cerberus et tout une fois, bon voilà. Pas un gameplay de ouf non plus, mais pas mal quoi. J'ai fait la moitié des kills de mon équipe, on va dire. Ouais, d'accord. Et donc du coup, voilà, j'ai hésité à vous le proposer, mais je me suis dit un gameplay en live, c'est peut-être mieux, donc on va essayer de faire de bonnes choses sur celui-là. Il est clair qu'un gameplay en live, c'est toujours mieux. Hop, salut. Bon, je compare la gameplay, ce serait trop simple. Non, je déconne. Le mec qui fait le vantard. Non, mais c'est surtout qu'en fait, là, j'ai envie de jouer à la Cuda. Je sais pas, tout à l'heure, je jouais à la gameplay. Le gameplay d'avant, et j'ai fait une bonne game. Et des fois, je ramasse une Cuda. Enfin, moi, j'ai ramassé une Cuda, j'ai tapé une série de 10 avec. Et je sais pas, je me sentais bien sur cette map avec la Cuda. Du coup, je me suis dit, on va prendre la Cuda. On m'a pas vu. Là, toi, la vision pulse. C'est pas mal. What? Oh là, je me suis fait détruire là. Mais tu es comment lui? Ah ouais, les chats magiques. Non mais sérieusement quoi, j'étais pris trop de balles lui. Bon, tant pis, hein. J'ai un kill du drone, c'est pas grave. Je crois que je vais aller rush plein mid. Bon, voilà, le problème avec la Cuda c'est qu'elle a à courte portée. Bon, voilà quoi. Ah ouais, mais. Oh putain, je me jette sur ces balles comme un chicken aussi. Bon. En tout cas, j'espère que ce casque il est bien. Dites-moi la qualité du son, comment elle est, hein, vu que c'est un nouveau casque. Enfin, sinon, je peux aller le changer si jamais vous le trouvez pas bien, mais bon, ça me fera un peu chier d'aller de retourner le changer, machin. Donc, bon. Mais dites-moi, moi pour le moment, je trouve pas trop mal. Bon, le problème, c'est le truc du micro, quoi. J'espère qu'on entend bien, quoi, parce que bon, je sais pas trop ce que ça donne. Du coup, voilà. Enfin, ce que je t'ai mis, toi. Ah ouais, on va se casser les couilles avec la psychose. Du coup voilà, dites-moi pour le casque et puis voilà. Le truc c'est que le vendeur m'a dit il a une aussi bonne qualité audio que le Turtle Beach sur les PX24, que les deux c'était des micros sans fil et que celui-là il a pas une aussi bonne qualité audio que le PX24 et qu'il me recommandait plutôt de prendre celui-là parce qu'il coûtait déjà 10 euros de moins donc il m'a dit bon pour 10 euros de moins il m'a dit s'il a la même qualité audio je vous conseille de prendre celui-là vous allez pas payer 10 euros de plus pour avoir un PX24 qui a la même qualité. J'ai fait ouais c'est sûr donc j'ai pris celui-là j'ai suivi son conseil on verra bien. Après, je pense qu'il m'a pas menti, je pense qu'il doit avoir à peu près la même qualité audio, donc ça sert peut-être à rien que j'aille le changer pour un PX24, alors que PX24, bah, c'est la même chose. Enfin bref. Du coup, on verra bien ce que vous m'en direz. Et puis voilà. Bon, vas-y, faire de bonnes choses. Ouais, ils sont les deux là. Ouais, ils sont trois. J'ai même pas eu le troisième au début. Dommage. Bon, vous savez, moi, les petits lives, c'est des lives, hein. Du coup, quand t'es en live, tu dois parler, etc. T'es pas forcément concentré sur les bruits de pas des ennemis, etc. D'ailleurs, maintenant, avec ce nouveau casque, je peux entendre un peu les bruits de pas, le son et tout. J'ai mis un mode basse renforcé. En gros, j'entends mieux les bruits des balles, tout ça. Enfin, un mode FPS, quoi. Parce qu'il y a un mode personnalisé avec ce casque, on peut. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, vous savez qu'on est en live, on est moins concentré. Donc, déjà, moi, je suis pas quelqu'un de très fort. Alors, en plus, quand je suis en live, bon, voilà. Je suis pas de très très bon gameplay, mais voilà. C'est plus pour le live en lui-même que pour le gameplay, hein. Ceux qui viennent pour le gameplay, ça sert à rien. Les gameplays, j'essaierai de vous en taper. Mais en live, ça sert à rien de compter sur un bon gameplay. Hein. Clairement. Du coup, je vais reprendre mes lives. Sûrement que je les appellerai de nouveau en direct de code.
J'aime bien cette série. Donc je continuerai sûrement cette série. Par contre, il m'attend pas vieux, quoi. Mec, tu as pas ta mini-carte. C'est pour moi. Bon, mon shoot, il est parti en Alaska. Par contre, j'avais pas vu qu'il y avait un mec devant. Et j'ai trop occupé à faire mon kill, là. Enfin, bref. Ouais, du coup, voilà. Je rappellerai sûrement cette série en direct de call. Et toujours l'idée des lives sur ma chaîne. L'idée, c'est toujours... Enfin, la plupart du temps, l'idée, c'est de jouer à mort l'objectif et d'essayer de gagner la game. Oh, je te le mets. Ah, mais t'as vu mon shoot ou quoi? Voilà, j'ai pré-shoot aussi, hein. Ouais, bon, je te limite. Tout à l'heure, j'ai mis un gros temps de la game d'avant. Bon, c'était quand même plus gros que ça. Attends, attends. Ouais, mais il est en haut, quoi, oui. Ah ouais. Salut, ça. Psychose, psychose de mort. Ouais, double kill. Salut, ça va bien, quoi. Là, ça commence à sortir des territoires. Qu'on campe, mais tu peux. C'est-à-dire qu'on temporise. Il est où lui? Il n'y a pas un mec derrière la statue? Je suis aveugle ou quoi? Wouah, putain, mon gars, je suis René la taupe. Hop, ah, j'ai fait le kill. Il y a un mec qui est en train de créer avec sa grosse machine à gun au top là où je rêve. Oh, il y a un mec qui a mis fumée, il est en train de camper derrière la fumée. Quelle petite FDP. On va se barrer. Mettre la tourelle au top. Et je pense qu'on va avoir notre cerveau en 2-3 secondes. Voilà, hop, let's go. Ah, la sentry. Fais-nous un kill, la sentry. Bon, d'accord, merci, la sentry. J'hésite à temps. Ah, bah, j'allais dire j'hésite à tempo ou attendre notre abîme, mais en fait, je suis con, j'avais même pas vu le score. Et 95 kills. Du coup, je vais rush comme un gros porc. Touchdown, Tripis. Bon, voilà, quoi. Du coup, voilà, bon, le shoot n'est pas présent, mais ça passe niveau game. J'ai pas fait une game trop pourrie. En plus, je monte mon petit spécialiste en or là, donc faut que je fasse des décès avec la vision plus. Alors, moi, j'essaie de monter de pointe de choc en or aussi. Pointe de choc en or. Enfin, j'ai réussi à m'avoir le casque en or, la tête, tu vois, en montant avec les défis avec le turbo. Là, mais le défi avec le pointe de choc pour faire 6 kills par game, c'est la merde. C'est vraiment la merde. 6 kills par game avec pointe de choc, je te jure que quand t'es en l'air, les ennemis te ratent pas. Hein. Impossible de faire des kills avec le point de choc. Donc bon, c'est impossible limite de le monter en or le point de choc. Donc j'ai un petit peu lâché. Mais j'ai monté pas mal de spécialistes en or déjà. Et là je suis en train de faire bah Outrider. Du coup, vision plus. Spécialiste que j'adorais au début du jeu, que je jouais beaucoup. Et du coup, bah là je me remets à jouer avec. Et du coup voilà. Donc du coup n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà, c'était un nouvel épisode de En direct de code. On se retrouvera sûrement pour le prochain. Un épisode ou un gameplay commenté, hein, n'importe, ou une vidéo en facecam comme je le fais souvent sur ma chaîne, voilà, un moment coup de gueule, un moment histoire, n'importe. Donc pour une prochaine vidéo, et puis bah moi je vous dis à la prochaine, allez, bye bye!